Bonjour YouTube! Nous voilà de retour dans Mass Effect Andromeda. On venait de régler son compte à l'architecte de mort. La manette part toujours en burne. Ça commence à me gonfler. N'achetez pas le pad Xbox One Elite. C'est de la merde. On ne le répétera jamais assez. Bien. On avait donc buté l'architecte, non sans mal, hein, tu t'en souviens. J'avais jamais fait gaffe, il y avait du soin aussi là-bas. Bon. Pour ce qui concerne EOS, on a pratiquement... En tout cas, moi j'ai fini ce que je voulais y faire. C'est-à-dire buter l'avant... Enfin, la base, la grande base des cartes, la centrale et l'architecte. Donc voilà, bah, désormais je suis satisfait. C'est ça que je voulais faire. On avait chopé un mode. À mettre sur l'armure. Tu vois ici. Donc nous, d'habitude, on joue le déploiement rapide. Donc 50% de vitesse de recharge de tous les pouvoirs. C'est monstrueux. Hein. Ça divise par deux le cooldown. Mais vers là, on a 30%. Des dégâts des pouvoirs biotiques. Et ça, c'est vraiment d'une violence. On avait technologique déjà. On a un mode de fusion robotique. Oui, ça, c'est quand on joue avec l'observateur que chope Tibi. Mais là, les maîtrises biotiques, 30% de dégâts. On perd les dégâts au corps à corps, on s'en fout. Les dégâts des armes, on s'en fout. Les dégâts des pouvoirs tech, on s'en fout. Les dégâts des pouvoirs de combat, on s'en fout. J'ai envie de le tenter, hein. Voir, mais là, il faut savoir que là, on va augmenter par deux le cooldown de la charge. Et ça... Et ça, c'est emmerdant, mais du coup... Dans la charge... dégâts et force, il y a un truc de cooldown, je crois. Oui, voilà. J'allais dire, à la limite, si je peux dois sacrifier des dégâts ou quoi que ce soit, j'aurais peut-être sacrifié des dégâts pour la vitesse de recharge, mais je ne peux décemment pas... Quoique... Parce que, de base, il me donne 50% hein, de bouclier, et donc là, il me donne 100. Ah mais c'est super fort, je vais pas commencer à faire ça. Et du coup, non, ça a peut-être du sens. Ah, ça pourrait avoir du sens, ceci dit, puisque... Si on fait... Selon ce qu'on va faire comme dégâts avec les 30% supplémentaires, ça peut être exponentiel, donc ça peut être vraiment super violent sur les combos. Donc on peut peut-être pratiquement diviser par deux le nombre d'incisions dont on a besoin pour buter les ennemis. Du coup, on utilisera moins de boucliers, on le régénérera plus souvent. Du coup, ça pourra avoir du sens de ne mettre que 75... Enfin, de prendre la vitesse de recharge plus 75%. On pourrait la spammer plus souvent. Hein. Ça se discute, ça se réfléchit, hein. faut voir. Ça va dépendre des dégâts qu'on va faire en plus, là. Et alors après, si je voulais vraiment maximiser ça, bah, je jouerais avec l'armure N7. Qui est quand même... plus, enfin qui permet de faire bien plus de dégâts encore que là ce qu'on fait avec l'armure d'Eleus. Mais l'armure Eleus est trop stylée, donc on va jouer l'armure qui est moins forte mais plus stylée. on va le tenter ce truc là. On a tout un tas de merdiers aussi, on va en profiter, on est là. Tant qu'on est dans le menu, voilà l'inventaire. Les pistolets, Predator 10, on pourrait décomposer tout ce merdier. Hein. On va jamais s'en servir. Hein. Bon ça c'est sûr, on décompose. Ouais, ça on décompose aussi. Hein. J'ai envie de dire tout ça on décompose. Hein. Ça s'en servira jamais, donc je vois pas l'intérêt de... Fusil d'assaut. Donc nous on a équipé celui-là parce que je voulais avoir des trucs en plus. Mais ça on s'en fout, hein. On va virer tout ce merdier. Hein. On n'a pas besoin de tout ça. Hein. Ça va faire de la place. Et vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, dans ce jeu... Alors, là, en l'occurrence, pas tant que ça... comment dirais-je
Ouais, ne vire pas ton abruti. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, pour les armes qu'on n'a pas craftées, dans lesquelles on n'a pas mis d'amélioration, celles-là, on peut les vendre. Mais bon, on a tellement de thunes que c'est bien utile. On s'en fout. Nous, c'est l'épée à Sari. Hein. On en a deux. Mais celle-là, on va, bah celle-là, on va la, oui, on va la décomposer, celle-là. On gagne 4, mais oui, bien sûr. Oh là là, mais on va aller recrafter des trucs, Michel. on va aller recrafter des trucs, hein. Sachant qu'on va pas besoin d'aller sur le Nexus, enfin de retourner sur le vaisseau, on peut voir, ah, on va retourner ça. On va faire ça bien, on a besoin de décompresser après avoir fumé le les modes. On va garder les modes, hein, tout ce qui est mode. On a gagné quoi de fusil d'assaut? Moins 8, aide de rechargement, 50, d'accord, d'accord. Précision. Ouais, ça on s'en fout un peu. Hein. Ah, c'est pour les fusils d'assaut, bah, c'est vrai, fusil de combat, voilà. Qu'est-ce qu'on a gagné? Les dégâts. Ouais, bon, ça va, on verra qui va révolutionner notre vie et les modes de fusion, on va les garder aussi. Armure. Décompose-moi ça. Casse de charanière et le casque intersidéral. On va les virer, on s'en fout complet. Hein. Ah ça, meneur d'initiative. Là je peux tout virer. Le commandant en gare, on s'en branle. Et aussi, tac. Et le mode de, alors les modes de fusion, on ne va rien virer là-dedans. ouais, ça peut être violence, hein, 30% des pouvoirs biotiques, ouais, ça peut être quelque chose de propre. Hein. Et les consommables, on verra pour les plans d'armure, les plans du nomade, on a tout ce qu'il faut, on s'en va y garder. Améliorations, elles sont là. Hein. Ah, on repasserait bien un petit moment dans le... Ah ouais. Hein. Bon. On va aller voir ça, on va sauvegarder déjà. Tac, bim. T'as pas un ennemi, Michel, là, qui se pointe... Il est où mon 4x4? Il est là. J'ai quoi à faire sur Eos? Parler à Addison, ouais, donc ça, déjà ça s'est fait, relations et alliés. J'ai rien à faire ici, hein. Ouais, tâche, la mission d'Eleus, ouais, ça c'est pour aller. Ça. Rien à foudre. Ok. Et l'état, j'en ai absolument rien à branler. Bien. Du coup, est-ce qu'on reste sur ce bled? Y'a quoi là? C'est quoi ça? Par contre, on nous reste ça à aller chercher. On va aller le chercher, puis on va aller. Voilà, on va faire ça. On va aller là. Pour finir. Et après, on se cassera de la planète directement. Alors, en avant Yaman.
Ah, il a pas apprécié. Et pourtant, voilà, Michel. Activating automated forward station deployment. Bien. Donc Léo, c'est à 100%. Et on va aller chercher cette chose là, c'est là-bas. On pourra avoir des petits combats en plus, ça serait pas mal. Ouais, mais par contre, démerder comme ça, ça me fout complet, ça. Tac. Ouais, bon. Un docteur thermique, qu'est-ce que ça fait, ça? Oui, ça, c'est si tu joues incendiaire. Y'a pas des mobs là, les mecs, non? Bien, bah on a fait tout ce que je voulais faire, hein, je crois. Hein. Il y a une partie de tout qu'on n'a pas découvert, mais on va pas tout faire, on va pas se faire chier. Hein. Certainement pas. On a foutu un coup de pied au cul des tertes sur la planète et on a buté l'architecte, tout va bien. On va retourner à Podromos là. Oh bon, on va même aller directement au... Oh, on va se casser, on va même pas se faire chier. C'est débile en plus ce que je viens de faire, parce que si tu veux te casser, il suffit de monter dans le nomade et puis tu te casses, quoi. Alors, Michel. Tac. Oui, on se casse. Allez, d'où? Ascent is go. All clear. Jarl's been asking to talk to you. Eh ben, il va attendre, parce que j'ai des choses à faire. You have AVP outstanding, Pathfinder. Ah ben, on va aller faire ça tout de suite. Lexi. Module scientifique, laborantin, opération de minière, on s'en fout, développement de terrain. Rien à foutre. Ouais, ouais, ouais. Bon, oh, munitions, on s'en fout. On va augmenter la capacité de l'inventaire. Voilà. Très bien. Faisons une sauvegarde avant de. Pour éviter de faire des conneries. You know, how uptight you are. Donc, dans les armes, j'ai un fusil d'assaut que voilà, que j'avais rajouté. Parce que. Il y a des. Bon. 5 bonus de dégâts des pouvoirs contre des boucliers. Ouais, et dans mon fusil de combat, qu'est-ce que j'ai foutu? 5% des dégâts des pouvoirs. Voilà, je vais recrafter ce merdier là. Je vais recrafter les deux. Parce que maintenant je peux rajouter des dégâts des combos comme sur le. Comme sur. Où c'est? Où c'est? Corps à corps. Voilà. Et c'est plus intéressant de mettre 5% de dégâts des combos plutôt que 5% des pouvoirs biotiques comme je l'avais expliqué. Puisque comment fonctionne le stacking dans le jeu? Eh bien,
pour un combo, vous avez obligatoirement besoin d'au moins deux pouvoirs. Ça vous donne un bonus, donc vous faites les dégâts du premier pouvoir, du deuxième pouvoir, plus un dégât bonus. Enfin, les dégâts des combos, donc il y a le bonus par rapport au type de dégâts de dégâts de combo que vous avez fait. Et si vous faites 5% des dégâts de combo, ça vient stacker. Donc ça stack en bout de chaîne. Parce qu'il faut résumer en fait, c'est quand vous avez des dégâts, une augmentation de dégâts des combos, c'est des dégâts qui viennent stacker, un pourcentage de dégâts qui vient stacker en bout de chaîne. Alors que si vous prenez un pourcentage de dégâts d'un pouvoir biotique ou d'un pouvoir de combat ou techno, il vient se mettre au début. Et bah forcément, proportionnellement, le bonus est bien moins élevé si c'est au début de au début du calcul ou plutôt qu'à la fin. C'est tout à fait logique. Donc on préfère les dégâts des combos à choisir entre les deux. Évidemment, si on n'a pas le choix et qu'on a que des dégâts de pouvoir biotique, on prend les dégâts de pouvoir biotique. Mais là, on a le choix, donc c'est bien. Donc on va recrafter les deux fusils, au moins le fusil principal. Donc on est là. Tac. Arme. Fusil de combat. Non, c'est pas ça, c'est les modes. Voilà. Qu'est-ce qu'il avait déjà? Donc il a le setter de bouclier, bien sûr. Il a le truc qui permet de virer tout l'inventaire. Et j'ai encore deux slots. Et je vais remplacer les dégâts des pouvoirs biotiques par les dégâts des pouvoirs des combos. Voilà, on va faire ça. Donc, bim. Il est là. Ah ben, il faut que je le déséquipe. Ah mais oui, Michel. Ah, il faut que je les déséquipe si je veux les... Si je veux les recycler. Ah ben, c'est pas simple, on va les virer. On retire. J'ai pas un autre truc à mettre. Ah merde. Bah, je le ferai après. Tout simplement. Inventaire. Fusil de combat. Non, ça c'est les modes. Je me gourre tout le temps. Décomposer. On va virer les modes par sécurité. Ah, pas faire le con. Du coup, tac. Voilà. Sinon, on voudrait pas. Voilà, là, il nous redonne tout. On est bon. Parfait. Bien, merci, Michel. Hop. Allez. Plus vite que ça. Pourquoi il y a une chute de FPS ici? On le saura jamais. Développement. Fusil de combat. C'est le Rafale 8. Donc dedans, mais oscillateur de bouclier obligatoirement. C'est quoi tous ces merdiers là? Ça me dirait cocher. Oui, ça a l'air très très drôle, mais c'est oscillateur de bouclier qu'on veut. On en a 5 en tout. Hein. On a eu de la chance, on en a looté beaucoup. Hein. Voilà. Il nous faut le truc qui... vire les... Voilà. La vitesse de recharge, c'est pas ça qu'on veut. Voilà. Le système de charge plasma. Et celui-là. Maintenant c'est celui-là qu'on veut. Paf. Et derrière, on va mettre les dégâts. On pourrait mettre des trucs plus emplaçants, plus de deux emplacements de mode. On pourrait sacrifier un truc comme ça sur l'armure, ceci dit. Hein. Pour rajouter deux emplacements de mode pour avoir les dégâts biotiques. Et ça pourrait être worth it, hein, complètement. Hein. Oh là là, oui. Oh là, je suis en train de m'enjailler, là. Faisons déjà les armes. Module de pouvoir, c'est pas ça. Force des pouvoirs, voilà, c'est ça qu'on veut. Paf. Fabrique-moi ça, Michel, tout à fait. Ça déjà c'est fait. On va aller l'équiper, bon ça fait des allers-retours et tout, mais...
Ah oui, on pourrait sacrifier un slot dans l'armure pour ajouter des mods. Bah oui, parce qu'on a les 30% de dégâts qui viennent s'ajouter, ça serait pas le truc le plus con qu'on ait jamais fait. Hein. Donc là, je rajoute moi ça, la frappe légère, et qu'est-ce que j'ai comme comme mode que... Bon, ça c'est le plus intéressant parce qu'il n'y a pas de malus. 3% de dégâts en plus, mais tu perds la précision, c'est pas ouf, hein. Ouais, le plus intéressant, c'est 2 ou 3% de moins, mais sans malus, c'est quand même, à mon avis, ce qu'il y a de mieux. Voilà. Bah, tu veux bien me l'équiper, quand même, ça serait sympa. Voilà. Et me retirer, on va virer les modes de ce merdier-là, retirer, retour... Retirer. Paf. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? On peut largement virer un plus 2% de bonus des dégâts des pouvoirs contre les armures pour mettre des, pour blinder de mode en fait. Ouais. Oui, parce que 2% franchement c'est quoi le bonus? On s'en fout. 5% c'est bien, c'est impactant quand tu peux en mettre plusieurs, tu montes toujours très vite, tout de suite très vite. On va le... On peut pas déséquiper, hein, merde, il me faut une autre armure. Putain. Ah, il me faut une autre armure, Michel. Allez, bon, on va en crafter une autre, c'est pas un souci. Ah, ça fait... Désolé YouTube, hein, c'est chiant, mais on va faire un truc bien, on va faire un truc rigolo. Hein. Craft-moi un truc qui coûte que dalle de base, voilà ça par exemple. Et à partir du coup, tu coûtes pas du, ni du platine ni du titane, non. Évidemment. Bon, bah, crafte-moi ça. Sélectionne-moi ça. Me mets rien dedans, s'en fout. Merci. Allez, dégage. Hop. Mais je sais pas si on peut rajouter les mods dans l'armure. Ou si c'est dans les... Ou si c'est dans les armes, je me souviens plus. C'est pour ça que j'ai un doute. Si c'est dans les... Si c'est dans les armures, c'est complètement fumé. Hein. On va aller voir. On va déjà aller voir un espèce d'en créer une. J'étais un peu con, j'aurais pu tout faire ça dans l'ordre, ça aurait été beaucoup plus simple, mais c'est pas grave. Alors, développement, armure, plastron, ça. Est-ce qu'on peut mettre des trucs de mode? Non, on peut pas, putain, Naldine. Ah ouais, ça serait complètement fumé, bah oui. Bah évidemment. Bien sûr, bah oui. Évidemment. Bon, on va quand même leur faire pour virer les... Pour mettre les deux autres dégâts des combos, c'est toujours plus intéressant que ce qu'on a déjà. Putain, ça peut être violent ça. Si on peut le mettre dans notre machin. 25% de chance de récupérer 10% de santé à chaque perte de bouclier. Hein, mais oui, mais ça peut être super violent cette connerie. On va tenter. Hein. Ouais, c'est con qu'on puisse pas rajouter des modes, mais... Ouais. On va quand même... Parce que du coup, des... rajouter des modes dans les armes, ça m'intéresse pas du tout. Recycle-moi. Oscillateur de bouclier, ouais, super tout. C'est très impeccable. Voilà.
Token de Deus. Bon, en premier, c'est bien évidemment l'oscillateur de bouclier. Et voilà. Et donc, on pourrait mettre. Ah, mais oui, c'est l'un ou l'autre. C'est ou oscillateur de bouclier ou. Ceci étant, l'oscillateur de bouclier nous fait faire quoi déjà? Rappelez-moi. Régénère 25% des boucliers à chaque ennemi tué, mais ça on le fait déjà avec l'arme. Non, à chaque chargeur. Mais oui, mais on a déjà 25% avec annihilation. Enfin, anéantissement en français. On a déjà 25% avec annihilation. Est-ce qu'on a besoin... Est-ce que ce serait pas complètement... Vraiment plus dingue encore de mettre le... Le capteur de bouclier. On aura pu se crafter les deux en fait, hein, mais bon, on va faire qu'une. Non, À chaque fois que je bute un mec, je reprends 50% avec grâce à annihilation et grâce à oscillateur de bouclier. Ce qui m'arrange parce que maintenant que je n'ai plus le cooldown dans le mode de fusion du plastron. J'ai moins souvent l'occasion de spammer la charge et du coup de remettre tout mon bouclier à fond. Techniquement, tous les 4 coups de fusil, enfin tous les 4 incisions, en plus de... Ah, mes pertes de bouclier, non, je crois qu'il y a une... oui. Je pense que c'est pas à chaque fois que tu perds le bouclier, c'est à chaque fois que ton bouclier tombe à zéro. Je suis presque sûr que c'est ça. Ouais, donc du coup, j'en ai rien à foutre. Faisons ce qu'on avait prévu. Oscillateur de bouclier. Ils sont où mes détonateurs de combo? Il est là. Ah, c'est 2%, mais c'est déjà ça. Et je rajoute 2% des combats des dégâts biotiques. Voilà. C'est déjà pas mal ça. C'est déjà un peu mieux que ce que j'avais. Hein. Parce que j'avais 6% des dégâts contre les boucliers. Ce qui est pas plus utile. Alors que là, ça augmente les dégâts bruts. C'est quand même... Voilà, c'est quand même mieux. Bon, paf. Paf. Et il y a ce fusil là. Qu'est-ce qu'il fait déjà lui? J'ai eu ajouté quoi? Il y a des pouvoirs contre les boucliers. Est-ce que je vais avoir quelque chose de mieux que ça à lui donner? Je vais avoir 5% de dégâts biotiques en plus, oui, mais je pense que l'arme il faut qu'elle soit équipée pour... Non, je vais pas me prendre la tête à... Ça va pas changer grand chose parce que l'arme doit être équipée pour être active. Hormis l'arme de mêlée puisqu'elle est de fait équipée. Puis il suffit d'appuyer sur Y pour l'activer donc on va rien changer à ça. Bon bah on est parti. Je la garde, je le mets au cas où mais... Alors qu'est-ce que j'ai comme ça. En fait c'est tout, enfin c'est tout de la merde. Ah, c'est pas mal ça. En 16% c'est quand même une sacrée... Moi quand je vois des 116% même si ça m'intéresse pas plus que ça... J'ai envie de l'avoir. Ah oui, du coup, ça me permet de mettre... voilà, par exemple.
128, celui-là et celui que j'ai mis, moi c'est 116. Ah bah non, mais j'ai 128, Michel. Oui, mais celui-là plutôt. Et là, tu rajoutes. Voilà, ça, tac. Bon bah voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ça devrait le faire. Ouais, ouais, ça devrait le faire. Tu vas m'équiper par contre mon armure. Tac. Et tu vas me mettre la maîtrise biotique 30%. Bon. Voilà. Et. Voilà, bon. C'est des petits ajustements, mais rien de. Mais ça devrait quand même être un peu plus. Un peu plus de dégâts. Bon, on va voir ce que ça donne. Bien. Quoi que c'est dit, on va aller parler à Jal qui veut me voir. Jal. Thank you for checking. But I'm all right. Don't know if I would be. I have to be. How else do we go on? You know? I may seem tough, but I have a good shoulder. That's kind. You're kind. I really miss my family at times like these. Are you close to your family? I was. Am. My mom and dad are dead. My brother's in a medically induced coma. I'm kind of an orphan at the moment. I'm sorry. Yeah, well, this random collection of Tempest oddballs can feel like family sometimes. Yeah. I never really felt I had a purpose. But here, I do. What about the Resistance? My place in the Resistance is not what I'd like. But that kid on Aya looked up to you. Sure. But you are going to do something important, Ryder. I feel it. This is where I should be. I like having you around. Specifically you. Because of my skill and knowledge? Not really. Because you enjoy spending time with me as much as I do with you. You do? Yes. You're fascinating. And special. And strange. Oh, thanks. And I mean it. Voilà, c'était l'icône du buddy, donc si on peut s'en faire un frère. Parce que le perso est cool, Angel, moi, même si le design des Angara est dégueulasse. Mais le perso est vraiment cool. Après, malheureusement, en combat, il sert à rien, le pauvre, mais c'est pas de sa faute, hein, c'est de la faute des développeurs. Voilà, on a dû mettre des mails à voir. Si c'est que ça, on se casse et puis terminé. Hein. Alors, oui, évidemment, des fois, le passage au... Les frères McCoy, cher pionnière, mon frère Dash était mon meilleur ami, j'ai encore du mal à accepter son départ, et avec lui la fin d'un rêve, celui de construire un avenir ensemble dans Andromeda. Je me réjouis toutefois de savoir nos pendentifs familiaux réunis. Quand ma femme et moi nous installerons ici pour fonder une famille, notre premier-né portera le nom de mon frère et deviendra, j'espère, mon nouveau meilleur ami. Bon, on s'en branle. Archiver ce merdier. Je crois avoir dit mon journal, j'en ai rien à foutre. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai entendu dire que vous cherchez notre arche, le Lusinia. C'est bien vrai, les dirigeants du Nexus sont tellement occupés qu'on dirait que tout le monde l'a oublié. Par pitié, n'abandonnez pas, mes sœurs adoptives étaient à bord. Tous les jours, je guette leur arrivée. Si elles ont réussi à traverser l'abîme, je vous en prie, ramenez-les-moi. Oui, on s'en branle quand même. Et la Moshe a envoyé des nouvelles d'Aya et a demandé de vous les transmettre. Grâce à elle, les autorités ont permis la reprise de l'étude du caveau d'Aya, comme ça, on s'en fout. On s'en branle. Bien. Non, c'est pas ça que je voulais voir, putain. Tac. Voilà.
Ouais, tout sur le Nexus et tout, mais... C'est sur... Ouais, sur Völd. Ouais, on va aller sur... Bon, on est parti. Sauvegarde, tac, bim, boum. Et on est parti pour Völd, Michel. Beginning approach. Vas-y, approche-toi. Alors. Vault orbit is steady. Où est-ce que ça se passe? C'est ici que ça se passe. Oui, on débarque. Allez-y. Ça c'est bon. On avait remis Pibi et Cora. C'est bon, parti. On va voir ce que ça donne. Approaching the LZ. Non mais c'est bien gentil mais... Voilà, bon, voilà. I'm reading a severe temperature drop. Ah Michel mais... Espérons que ce coup-ci on arrive avant de crever. On était pas crevé la dernière fois mais... C'était pas loin. Life support is stable. Ah, c'est beau. C'est beau Michel hein. Bien. One of the people they saved from the cat. Fuel pumps, fuel lines, hydraulics. Ah, il est trop froid. Alors si mes souvenirs sont bons, ce truc là est absolument impossible à attraper tout de suite. Il faut aller là, il faut faire tout le tour, remonter là, bim bim, et redescendre depuis le haut de la montagne pour pouvoir le choper. Donc c'est même pas à peine d'essayer de choper le coffre qui est là-haut, là, il est derrière là, ça sert absolument à rien d'essayer de le choper d'ici. Je m'en souviens comme si c'était hier, parce que c'était pas il y a pas très longtemps, et qu'est-ce que j'ai galéré pour le choper. Mais c'est d'une beauté ce passage, oh là là. Par contre celui-là, on va le prendre. Hein. Ah tiens. Systems are failing, Pathfinder. Ah merde, putain. Au-dessus.
Est-ce que ça crée pas le même coffre de mort que... Ah non, c'est là. Probablement là. Ah non, le voilà. Très bien. Bon, on prend tout, hein. Parfait. Et ensuite, on va aller prendre les quêtes qui sont là, et puis après, on ira voir le commandant. Donc la suite est là-bas, et nous, on va aller là. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, Michel, hein. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Welcome. You are the Pathfinder, yes? I am Roshwa Lin. What are these symbols on the wall? Our people worship in private here. And I give the blessings. Would you like one? I'm a bit of a stranger to your faith. A stranger in all things, perhaps. The blessing is offered with simple goodwill. It would be an honor. I give you strength and courage, yet be clear your heart. You seem troubled. Oh, Pathfinder Rider. I was just speaking a blessing for two of our young soldiers murdered by the Ket. So many dead or disappeared, but these two cuts are the deepest yet. Do you need space? I can go. It's all right. Speaking grief lessens it. These children were swayed by a new belief that's taken hold. A soul finds enlightenment through reincarnation, but some now think they can force this. They fling themselves at death, thinking they will be reborn stronger. Glory seekers, we call them. Reincarnation is a nice thought, but to die for it? This has consequences. If you meet some of these glory seekers, do what you can to save them from death. That's all any of us can do. What do you believe? In the never-ending growth of a soul that is reincarnated within a family. A righteous action in this life begets enlightenment in the next. And with that, a stronger dynasty. What happens to the souls of exalted Angara? This is our great heartache. They are kept from the family dynasty. Lost to us in all ways. How do you become a priestess? With great hardship. Only those who know darkness can lead others to light. I speak weakly words for those who seek them. They take my words to their families, so that they all find the strength I once longed for. Thank you. C'est une quête ou un... Bref, on va parler à un chercheur de gloire. On va déjà rencontrer la résistance avant de s'emmerder avec ça. Il y a d'autres quêtes ici. Give me a double dose of summer, quick. Yes, what is it? You're that alien they've been talking about on comms, aren't you? Why are you standing here? Don't you have more important places to be? I'm not sure which question I should answer first. How about none of them? I simply wanted to express my surprise that someone was in my way. Dr. Harine, maybe Ryder could help us with the emergency caches. Emergency caches? This is a war zone. Ket attacks are always a risk. Wounded? There's probably a cache of emergency medical supplies nearby. No substitute for real medical attention, but you'll survive long enough to reach it. Problem is the caches are empty right now. Restrained, and no one's been out there to replenish supplies. There's no time to waste. I'll help with whatever you need. Supply crates are stacked by the wall over there. Directions to the caches are with them. You have a vehicle? Of course. Good. Get going. Rien à foutre, Michel. Il y en avait un autre, hein. Thank you.
Alors, rapport Estraja. Olisk, on vous a envoyé une navette. On a envoyé une navette avec assez de fourniture médicale pour vous durer un cycle. Vous les avez reçus? On a perdu le signal peu de temps après le largage. Répondez-nous vite et dites-nous si vous avez tout récupéré. Hein? Looks like supplies aren't getting through to the resistance. Maybe we should keep moving. Sympa, toi. If you need patching up, you'll have to wait. A patrol just came through and I need to see to them. You guys seem very understaffed. Volunteer medics are hard to come by, especially ones who can handle Vold. Bon, la manette, elle va finir dans le mur si elle continue à déconner comme ça, putain. It's actually warm in here. Those heaters work pretty well. We don't use them for heat. They generate artificial sun, so we don't go dark. What do you mean, go dark? Right, I suppose you wouldn't know about that. Our bodies generate energy from sunlight. If we don't get enough, our immune systems weaken and our bioenergy slows. We go dark. It can't be easy living in a place like this. Between the cold and the lack of sun, it's tough to keep morale up. Most of us come from Aya or Haval, so it's a big adjustment. Immunity drops, people get sick. But if the civilians in the settlements can live here without complaint, so can we. I'll come back if I need anything. I'll be here. Yeah, bon, allez, on se casse. Yeah, c'est quoi, c'est un terminal? Attention du commandant, machin, nanana, on s'en fout. Oh là là, machin, ben non, on s'en branle. Bien. Allez, allons voir le commandant de la base. Et là-bas. C'est beau, Michel, hein. You must be the Pathfinder who saved the Moshai. I'm Anyik Dozeel, commander of this encampment. You're welcome here as an ally of the Angara. I appreciate the warm welcome. It's a joke. To break the ice. Get it? Warm welcome? Ice? Kill me now. Probably a translation thing. Perhaps. Strange jokes aside, I hope you will join our fight against the Khet. We could certainly use the help. We've held the Khet at bay, but have been unable to deal a decisive blow. The longer things drag on, the greater our disadvantage. That's why I came here. To help. If you want to know where you can make a difference, go to the post that overlooks the valley. Nothing happens on Vold without our lookouts knowing about it. Before you go, is there anything else I can help you with? How long has the resistance been around? Nearly as long as the Khet. With our military destroyed, civilians took the fight into their own hands. They formed the resistance as a final effort to retake our home. It seems to be working. Only since Ephra took over. His tactics gave us the push we needed against the Khet. But even now, we're a long way from winning. I've met Ephra. He's interesting. He's never been good at first impressions. He can be stern, but he's exactly what the Resistance needs. Ephra took a scattered band of civilian fighters and molded them into an effective army. What success we've had against the Khet is entirely due to his leadership. Most people seem to really respect him. Because he would do anything for his people, he inspires the same in us. We may not always agree with Ephra, but we'd follow him to the end of the stars. That's it for now. I'll be here if you have any questions. Pathfinder, something I can do for you? You the requisitions officer? I hear you're having supply issues. Of course not. I don't know what you've heard, but everything is running fine. I saw the messages sent to you. What are you hiding? Keep your voice down. I need to keep this news contained. No one knows the shipments have stopped.
If word gets around, we'll have a serious morale drop. I need to investigate this quietly. You have any leads? Not much. The supplies make it planet side, but never reach the base. The obvious answer is the Ket. Sabotage is their style. We changed our drop point, but no luck. I can't send someone to investigate without word getting around. I guess there's no avoiding it eventually. Your people deserve to know what's happening. You should tell them. With all due respect, I'm the one keeping this camp together. I know what's best for them. I can't sanction an official search, but I also can't stop you from investigating on your own. The nav point for the last drop location is in my personal console. You seem to be adept at decryption, so I'll let you figure out the rest. Bien, encore un dialogue nul. Sur le terminal de réquisition, on va faire ça. Et Michel. Decryption successful, Pathfinder. Updating your nav system with a supply drop point. Alors que la régie a des problèmes avec Windows. C'est quoi l'autre? Oui, rencontrer. Oh, c'est sur la map qu'il me le mettait, voilà, ça tag. Hop là. C'est bien relou la manette, hein. Rylus? That's me, yes. I'm Rylus. Wow, you really showed up. He seemed thrilled. Honestly, it's nothing special. Nothing special? You saved the Moshi from the Ket. And not just the Moshi. So many people owe you their lives. Anyway, I should get to the point. Your raid on the Exaltation facility sent the Ket scrambling. They're trying to get their operations in order. Our scouts report increased Ket movement through certain areas of Vold. Not military, though. Science and research vessels. Doesn't matter if they're science Ket, warrior Ket, janitorial Ket. They're all bad news. Some of us were concerned they might be planning more exaltation, or putting more of our people through torturous study. We don't have the tech to break into their bases, but someone has to stop them. You're talking to the right person. We always help our friends and allies. I knew you'd help. I'll send the nav point immediately. Ça, le complexe Kert, c'est tout à fait une mission pour moi, ça. Quoi, Kert, oui. Bim. Hop, hop, hop. Donc là, j'ai le choix sur Vold. Entre... allez, bon, ça, j'en ai rien à foutre. La réforme, parler à un chercheur de gloire, rencontre avec la résistance, parler au guetteur de la résistance, on va commencer par ça. Et trouver un site pour l'avant-poste, d'accord. Ouais. Allez au complexe Kert. Bon ça on le fera un peu après, on va déjà commencer. Par ça. Où est-ce que c'est? C'est là, faut sortir par là, très bien. Ah les fournitures étaient là-haut, j'en ai rien à foutre. Derrière moi donc. C'est beau Michel hein. C'est beau ce jeu hein. Alors. C'est du juste là. Mais quel abruti de mort, mais qu'il est con ce con. Activating automated forward station deployment. I'm sorry. Whoa, didn't mean to sneak up on you. Squinting stars, it's the Pathfinder. We heard about how you punched the Ket. Punched them right in the exaltations. So amazing. Shut up, Beniska, you're embarrassing. You shut up. I'm being charming, right? The Angara have been wonderful to us, including yourself. So thank you. See? We're building bonds here, Zeke. So, what's out there? Any tips?
As a start, you could join our fight in Hajara, where those red lights are. I hear someone's looking for help. Or you could just go there and kill some Ket. They're everywhere. Anything else you need to know? We've been stationed here forever, so we're experts. Those red lights, you said that's Hajara? Yes. Hajara Station, one of the Dar in the valley. It's a small community, mostly scientists. There's people there that might need help, if you haven't checked it out already. How do they live out there? Why so surprised? We've adapted to this weather. Those lights are conspicuous. Don't the Ket attack? We've adapted to that, too. The Ket want to take us alive, so we fight to the death. It seems to deter them. What's that alien facility on that mountain over there? That's the Ket Command Center. We have constant eyes on it. What's its purpose? It controls Ket operations on the entire planet. There's always ships coming and going. I came face to face with the Prefect there. Meanest, motherless Bissan I ever saw. Even the Ket seemed afraid. We don't have much intel on her, though. Do you know of any remnant sites or ruins? I think so. Actually, I don't know. Zeke, do you ever read the dailies? No. You'll tell me if I need to know something. So, where is it? Tall lights. Over on your right somewhere. I'll let you get back to your work. Take care. Stay safe. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. Les lumières rouges là-bas, ça pourrait être notre... notre objectif. C'est beau, hein. C'est beau, YouTube. Hein. Le skybox est sublime, putain. Et c'est un truc particulier, cette planète, parce qu'elle est... Avant d'être colonisée, elle est... En tout cas, moi, je trouve absolument splendide, mais vraiment splendide. En revanche, une fois qu'elle l'est colonisée, je trouve que visuellement, elle perd beaucoup. Vous verrez ça quand on l'aura colonisée. Les teintes deviennent moins naturelles, c'est moins beau. Bon, c'est... Bien, bon, on peut appeler le nomade d'ici, mais on va pas le faire tout de suite, puisqu'on arrive au bout de la vidéo, YouTube. La suite au prochain épisode, bien sûr. Allez, salut les gens.